sur la voiture ici. Tu peux plier le quoi, la chaise ici. Tu peux plier ça. Tu peux mettre l'écran de 70 gigas ici. 70 polygames ici derrière. Tu peux faire un lit ici. Tu peux dormir dans cette voiture. Wow! C'est comme la chaise de Jeep. C'est comme la chaise de camionnette. What? On dit ce genre comme ça? Il y a les panneaux solaires. Il y a les panneaux... Oh mon Dieu! Il y a aussi là où tu peux mettre tes valises ici, tout ça, faire les déménagements. What? Il y a aussi... Oh! Ça, tu peux même dormir. Cette voici quand vous entrez ici. C'est en cuir. D'abord, j'aime les chaises en cuir. Mes amis, aujourd'hui, le choix est difficile. Volkswagen et Audi. Je suis ici aux États-Unis. Je vais choisir une voiture qui va me permettre à recommencer ma vie en Amérique. On m'a proposé Volkswagen. On m'a proposé Audi. Je ne connais rien de voiture. Je viens à peine d'arriver aux États-Unis. LKB, s'il te plaît, aide-moi à choisir l'une des deux voitures. Alors moi, je ne vais pas t'aider à choisir. Je vais demander à mes abonnés de t'aider à choisir entre Volkswagen et Audi. Le choix qu'on va faire, ça ne sera pas basé sur le prix. Ça ne sera pas basé sur les années. Ça ne sera pas basé sur le kilomètre. Ça sera basé seulement sur la beauté et comment ça se reflète. Je veux commencer avec Volkswagen. C'est une belle voiture, simple, normale, beauté, belle couleur, tout ça là. J'ai déjà aimé la couleur. J'ai déjà aimé le pinet, les jantes, c'est tout noir. C'est déjà parfait. J'ai aimé le latéral. Quand tu es devant cette voiture, tu n'arrives pas à voir comment elle est belle. C'est comme Mercedes, hein? Ouais, c'est comme Mercedes. Latéral comme Mercedes Benz. Cette voiture, quand vous entrez ici, c'est en cuir. D'abord, j'aime les chaises en cuir. Il n'y a pas de... Oui, il y a un petit panneau dedans. C'est une forte voiture. C'est fermé. Et quand vous regardez ici, c'est quel Volkswagen, c'est Passat. Ici aux États-Unis, il n'y a seulement que de belles voitures. Regardez un peu. Il n'y a que de belles voitures. C'est merveilleux, hein, la vie ici aux États-Unis. Imaginez un peu si tu gagnes le visa pour venir visiter l'Amérique. Imaginez un peu si tu gagnes la DV Lottery pour voir comment la vie fonctionne ici. Tu seras émerveillé de vivre ici en Amérique, hein. Alors, pourquoi ne pas tenter d'avoir un visa visité? D'ailleurs, nous aidons les gens avec le visa que tu payes rien. Dès que tu arrives ici en Amérique, tu payes. Au cas seulement où tu as payé la consultation pour commencer les démarches. OK? Bon, pour commencer ma vie, je pense que cette voiture, c'est une belle voiture. Ça va me donner beaucoup de travail. Avec cette voiture, je peux payer seulement que 5 000 $. Et puis, les restes, je vais payer après. Mais il se pose un problème. J'ai aussi aimé cette Audi. Mais les voitures Audi, ce sont des voitures rares, mais c'est trop à l'aise. Tu seras à l'aise avec cette voiture. Tu seras vraiment très à l'aise avec ça. Tu seras vraiment très à l'aise avec ça. Très à l'aise avec ça. J'ai aussi aimé le double couleur. Non, ce n'est pas... Oh, OK, ça, c'est le plastique. J'ai aimé. Il y a une torche ici. Wow! C'est comme la chaise de Jeep. C'est comme la chaise de camionnette. What? On dit ce genre comme ça? Il y a les panneaux solaires. Il y a les panneaux... Oh, mon Dieu! Il y a aussi là où tu peux... mettre tes valises ici, tout ça, faire les déménagements. What? Il y a aussi... Oh! Ça, tu peux même dormir là, sur la voiture ici.
tu peux plier le quoi, la chaise ici, tu peux plier ça, tu peux mettre l'écran de 75, non, 70 gigas ici, 70 polygones ici derrière, tu peux faire un lit ici, tu peux dormir dans cette voiture. Ça, c'est un peu comme le Mercedes ici derrière, hein. C'est un peu du genre Mercedes. Ici, il est bel, hein. Alors, Audi, ça coûte combien? C'est Audi 2016. Ça coûte 21 000 dollars. Je vais voir la petite mignonne Volkswagen. Ça, c'est moins cher. 17 000 dollars. Car cela ne tienne, mes amis. Car cela ne tienne. Dis par rapport au goût que tu as, dis par rapport au genre de voiture que tu aimes. Dis-moi la vérité, sois sincère avec moi, mon ami, sois sincère avec moi. Mettons que tous les deux voitures, ça coûtait 20 000, non, ça coûtait 10 000 dollars entre les deux. Ça coûte 20 000, ça coûte 16 000 dollars, le prix normal. Mais mettons les deux voitures, ça coûtait 10 000, 10 000 dollars. Quelle voiture que tu vas choisir entre les deux voitures? Tu choisis ça, Audi, ça c'est Audi. Ou tu choisis Volkswagen. Swagen. Je sais que beaucoup de gens auront des difficultés pour écrire les noms ici. On écrit ça comme ça. Tu vois comme ça, tu vois comment on écrit ça? Volkswagen. Volkswagen. Alors dis-moi, entre les deux, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis entre les deux? Dis-moi, qu'est-ce que tu choisis entre les deux? Comme je disais, il y a beaucoup de visas que tu ne payes pas. Tu viens payer ça dès que tu arrives ici. Mais il faut d'abord payer la consultation si tu veux venir vivre ici aux États-Unis. Toutes les deux voitures sont belles, hein? Mais dites-le-moi, laquelle vous plaît beaucoup? Noire ou l'autre là à côté? Tous les deux sont vraiment mignons. Hein? Mignons. Dis-moi, vous êtes dans quel pays? Dis-moi, vous êtes dans quel pays? Dis-moi, quel jour tu vas venir vivre ici en Amérique? Quel jour tu vas venir vivre ici en Amérique? Dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ton visa étudiant? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ton visa visiteur? Dis-moi pourquoi tu ne veux pas venir vivre ici en Amérique. Qu'est-ce qui te donne comme préoccupation? Quelle préoccupation que tu as concernant ici, concernant la vie en Amérique? Bon, je ne sais pas si vous avez déjà choisi. Moi, je vais choisir. Hein. J'ai choisi Volkswagen. Non. Je choisis Audi. Non. Ok. Je suis embrouillé. Je ne sais pas quoi choisir. Mes amis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, aidez-moi à choisir entre les deux. Je vois les gens du Cameroun, ils ont choisi. Je vois les gens de la RDC. Je vois les gens qui sont en France. Ils ont déjà choisi leur voiture. Ok, merci beaucoup. Merci pour votre patience, merci pour votre amour. Vous avez sur cette chaîne, commentez, likez. On se voit à la prochaine, mes amis. Merci beaucoup.